السلام عليكم ليزامي جيصباغ تكونو بخير وعلى خير مرحبا بكم في فيديو جديد

كاينين الناس منهم اللي مشاو بحثوا على الاجوبه الناس تقريبا الاغلبيه كانوا يطلبوا مني ندير دي فيديو اللي فيهم الاجوبه هذا الشيء اللي غادي نديرو هاد النهار ان شاء الله فهاد لا فيديو غادي تلقاو الاجوبه ديال لي كيسيون اللي كيتطرحوا بزاف أه دونك هنايا تقريبا كاين شي 10 ديال الاجوبه مي غالبا واش شارجي دو راه ما كيطرحش هاد لي كيسيون كاملين ما درت لكم 10 ديال تقريبا 10 ديال لي كيسيون في هاد لا فيديو ومازال غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو واحد اخر فيهم دي ريبونس وحدين اخرين

الخدمه ديالي فوالا voilà, كنتمنى حد موفق للجميع مرحبا بكم الى كنتو جداد فلاشين آه, ما نكرهش انكم ديروا لي جيم تخليو لي كومونتير على كيفاش جاتكم لا فيديو شنو تبغيو تشوفوا ابري او سورتو ديروا اشتراك للقناه وتفعلو الجرس باش يوصلكم دوطرو فيديو ونبداو على بركه الله الي فوالا اول كيسيون هذه حاجه معروفه هي بريزونتي فو ما يمكنش دوتشي اونتي

je suis de Rabat. J'ai un diplôme en gestion des entreprises. Donc, j'ai déjà passé des stages et j'aimerais bien rejoindre votre équipe comme téléconseiller. Quand on a de la présentation, il y a à peu de temps ou que tu les informations qui sont les Après, on club?

D'autre part, je trouve que ce métier me passionne et il correspond à ma personnalité et à mes qualités. Je trouve que le poste du service client est une fonction indispensable pour la gestion et la croissance de l'entreprise. Voilà. Question numéro 3. Pourquoi vous avez choisi notre société? le centre d'appel société. Car votre entreprise a une bonne réputation dans le secteur ainsi le profil que vous recherchez

Qu'est-ce qu'un centre d'appel Donc, il de la question. qu'est-ce qu'un centre d'appel ou là, c'est quoi la différence, ma bine, émission et réception d'appel ou là, c'est quoi le rôle d'un téléconseiller Il déjà des réponses. Une autre vidéo, ce que tu voir après, une fois que c'est avez à la vidéo, la vidéo, il fait les réponses. Donc, un centre d'appel, ou centre de relations clients est un plateau. Composé de plusieurs téléopérateurs qui vont réaliser des tâches liées à la relation client, telles que l'émission ou la réception d'appels téléphoniques. Même qui gère la mission et la réception d'appels, qui est aussi le traitement des mails les SMS, le chat, les courriers, etc. Mais, je la réponse. Voilà. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Concernant mes qualités, je trouve que je suis motivée et j'ai le sens d'analyse et de communication. Pour mes défauts, je crois que je suis trop organisée ou trop perfectionniste. Donc, euh, les qualités et euh, les défauts, comme on a les qualités et les défauts. Par contre, on a fait la petite recherche qui a uh, la liste, qui li les qualités, qui les, les défauts, les défauts, euh, comme le lien dans la description. Quel est le rôle du téléconseiller? Donc, mission la société. Le téléconseiller joue un double rôle dans la gestion de la relation client à distance. D'une part, il conseille, informe, assiste les clients de l'entreprise. D'autre part, il participe au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise par la télévente, la prise de rendez-vous ou la création de trafic. vendez-moi ce stylo il a à une activité de l'émission d'appel surtout la télé ventes كنا معولين على هاد لا غادي 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 تصاوب غادي غادي تحط ليكم فوندي ستيلو ولا هاد لي لونات المهم اي حاجه كانت قدام شارجي دو ريكروتمون يقدر يقولك لك بها باش يشوف كيفاش غادي تجاوب على غادي تجاوب على هاد لا كيستيون غالبا ما لي كيبقاو يقولوا شنو شنو كاين في داك ستيلو مثلا ستيلو كيقولوا فيه الطايه زرقاء هادي المداد مزيان كذا كذا ولكن باش تجاوب من الاحسن على هاد لا خصك Tu sais, c'est des questions à la, la, la recruteur. Tu Qu sais, qu'est-ce qui est le besoin de lui Tu peux dire qu'est-ce qui compte le plus pour vous lors de l'achat d'un stylo Pourquoi tu as déjà de d'un stylo Quelle est votre couleur de stylo préférée Qu'est-ce que vous attendez d'un bon stylo

Pourquoi changer de travail? Il a quitté déjà d'un fait avec quitté déjà d'air. Il a quitté cette société. Quelque-uns dehors. T'as lequel? La la question est pourquoi changer de travail? Ou pourquoi vous avez quitté votre emploi? Tiens, je me plains. Donc mon salaire n'a pas été augmenté depuis mon arrivée dans l'entreprise il y a cinq années. J'ai eu des réussites professionnelles sur plusieurs missions confiées et mon travail n'a pas été récompensé. À dire un petit exemple de la réponse. Sinon, déjà des a de la vidéo de pourquoi vous avez quitté votre entreprise. Il y a plusieurs réponses.